Un grand retour de course, je reviens de chez Carrefour. Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir Carrefour près de chez vous, sachez que cette semaine qui commence aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes lundi, lundi combien ? 21 septembre, et que Carrefour fait le mois 100% gagnant, donc c'est le mois comme l'année dernière, avec un double cagnotage. Avec le double cagnotage que vous avez sur certains produits de certaines pages. Je suis allée avec ma petite liste et j'ai pris ce qu'il fallait. Sauf qu'il me manquait certaines choses que je n'ai pas pu prendre. On commence Carrefour parce qu'aujourd'hui j'ai fait Carrefour. Ensuite, je suis passée à Paris Store. Paris Store, c'est un magasin chinois. Et en fait, comme ils vendent des légumes que j'aime bien, je suis passée par là-bas vu que c'était à côté. Et ensuite, j'ai fait Carrefour Market parce que bien sûr, mon mari m'a laissé un message pour me dire « Tu peux me prendre un pain pour demain ?» Donc demain, il va se faire un petit sandwich. Allez, c'est parti mon kiki. Je suis passée à Carrefour et là, c'est que du double cagnotage. Je ne vais pas vous donner les prix. Allez, si je fais pas ma feignante, vous aurez les prix par ici. D'accord, c'est parti. On va attaquer par les pâtes. J'ai pris des panzani. Ici, ce sont des macaronis. Genre, j'en ai pas assez là-bas. Donc, j'ai pris deux lots de macaronis dedans. Vous avez 1 kg par sachet. Donc, ça fait 2 kg. 4 kg. Non, ça, c'est quand même des coquillettes, quand même, faut pas exagérer. Hein. Ça, ce sont des coquillettes. À l'intérieur, il y a 1 kg aussi. Donc, vous avez 1 kg coquillette plus 1 kg coquillette est égal à. J'ai 4 kg de coquillettes aussi. C'est pas tes mamans. Les voici, les voilà. Et j'ai pris 4 kg de spaghetti X. De la marque Ponzani aussi, il y a aussi 1 kg plus 1 kg plus 1 kg plus 1 kg. J'en ai pris deux de paquet, ce qui fait 4 kg de spaghettis. Ensuite, j'ai pris des œufs. On n'en mange pas beaucoup, donc j'en ai pris une boîte. Les gens, ils ont fait la radio, ils en ont pris 6 paquets, enfin bref. C'est parti, il y a deux choses qui n'étaient pas prévues, c'était celui-là et ça. En allant là-bas, il n'y avait pas de Nutella. Je voulais du Nutella, parce que c'était double cagnotage aussi. Alors, double cagnotage, c'est quoi? C'est que, en fait, par exemple, si vous cagnotez 1 euro, bah, c'est multiplié par 2, donc ça fait 2 euros. Donc, voilà. Pour compenser le Nutella qui n'avait pas en rayon, j'ai pris des madeleines. Donc là, vous avez deux paquets. Et de l'huile. Et de l'huile. Dedans, il y a 3 litres, je crois. Alors, c'était pas prévu que je prenne. De toute façon, les gens, ils se sont rués dessus, on n'avait plus. Et je passe devant un rayon, et boum! Ça, c'était laissé par quelqu'un. Ben, je l'ai embarqué. Comme ça, ça compensait le Nutella. Donc voilà, là vous avez les madeleines et l'huile de 3 litres, des pains au lait pour le petit déjeuner des enfants à l'intérieur, vous en avez 30 et c'est de la marque Pasquier, du jus pour les enfants et surtout pour Kylian. Donc là c'est du jus sans pulpe, c'est des bouteilles d'1,5 litre. Chaleur. J'ai pris du jus comme ceci. C'est du sirop hein, finalement, c'est lourd de chez lourd. Donc là vous avez parfum tropical et ici vous avez trop parfum multivitaminé. De la sauce Ponzani, je sais que j'ai une deuxième qui est toujours de la même sauce. Là c'est la sauce Ponzani tomate cuisinée. Alors il y avait tomate cuisinée et il y avait provincial, un truc comme ça. Je me suis dit je vais prendre deux tomates cuisinées, hop, et ça devrait être bon. J'ai pris du café pour ma machine Senseo. Alors celui-là, c'est un format 60 dosettes. C'est du corset. 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 Ah, là j'ai pris du classique. Des dosettes aussi classiques. Classique. Et classique. Donc j'ai pris 6 paquets. Donc il faut savoir que lorsque vous allez à Carrefour hein, et que vous prenez des trucs sur des promos et tout ça, prenez par 6. Colin d'Alaska façon fish and chips. Donc 1, 2 et 3. Donc ceux-là, c'est ça.
Voilà, c'est ce genre de poisson là. Et j'ai pris aussi des nuggets de poisson. Comme ça, j'ai fait la tonne aussi. Comme ça, je vais bien pouvoir préparer mes plats. J'étais contente parce qu'il n'y a personne qui se ruait dessus. Hein. J'étais la seule à se ruer dessus. Je suis trop contente. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez-moi, chat. Je suis trop contente. Alors, l'autre jour, si vous avez loupé mon retour de course, alors allez retourner pour aller boire, dis donc. Donc, j'étais à la recherche des fameuses confitures Bonne Maman Duo, c'est-à-dire où il y a deux fruits à l'intérieur, où il y a deux fruits à l'intérieur pour pouvoir me faire rembourser sur l'application Shopmium. Donc, ici, vous avez fraises et framboises et ici, vous avez nectarines et abricots. J'ai utilisé des bons de réduction dessus. Je suis trop, trop contente de les avoir trouvés parce que j'adore la confiture. Alors, si ça, j'ai pas fait la razzia, c'est des gnocchi. Knacky de la marque Erta. Donc vous avez 3 lots plus un offert. Alors, j'ai pris 2 paquets. Dans ces paquets-là, vous en avez... Hop. Et je vous dis tout quand même, hein. Je vous dis tout ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Donc vous avez 4 paquets de 10. Sans déconner. Ça fait 80. 40 plus 40 est égal à 80. J'ai 80 saucisses. Non, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi préparer le plat. J'ai de quoi cuire. J'ai du poulet. Ça aussi, c'était en promo. J'ai pris 2 paquets. Il y a une femme qui est venue qui a pris 6 paquets. Voilà, du poulet. L'autre sauce que j'avais perdue. La laitière, alors ça je connais pas, c'est en promo aussi. Donc j'espère que c'est bon, parce que je ne connais pas. Alors ça c'est plutôt les enfants et Mickaël qui vont manger. J'avoue que moi je mange que des fruits au niveau de dessert et collation, que tout ça je ne mange pas. C'est fini, je suis passée à Carrefour Market, donc ça va être rapido. J'ai pris ça, ce sont des petits burgers pour mon mari, pour préparer ses petits, comment on appelle ça, des petits plats pour qu'il puisse partir au travail avec. Je me suis dit ça serait intéressant. Ensuite j'ai pris Charol à l'oignon pour avoir des steaks hachés, la fameuse baguette que Mickaël voulait pour son sandwich de demain. Et pour finir j'ai pris ceci, ce sont des pains de mie à Paris Store. Alors ça, ce magasin-là, je l'adore pour ses légumes et tout. C'est des légumes qu'il n'y a pas partout. Donc là, vous avez du pak choi. Nous, on appelle ça du chou chinois. Donc là, on ne voit pas parce qu'avec la lumière... Parce que là, j'ai une tonne de lumière dans ma tronche. Voici, voilà. Donc là, il y en a. J'ai pris 2 paquets. Au moins, je vais tout perdre demain, en fait. C'est-à-dire que j'avais préparé un menu, bien évidemment, pour cette semaine, j'avais tous les ingrédients, mais vu que j'ai du frais, je suis obligée de les faire. Donc demain, vu que j'ai pas les enfants, ça va être journée cuisine. J'adore ces légumes, j'adore. Du soja. J'ai pris du soja parce que j'adore. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, la dame qui m'a parlé du tofu pour changer pour la viande. Et je suis bien contente parce qu'avant, je mangeais énormément de tofu. Donc là, j'ai pris du tofu japonais que je vais assaisonner avec de la sauce soja, tout ça, et puis avec des légumes. Maman, ça va être trop bon. J'ai envie que mes enfants ils goûtent ça. Je sais, c'est pas bon, je sais. Mais ce sont des crevettes. Quand j'étais petite, j'adorais manger ça. J'adore. Ce sont des bonbons chinois. Je vais ouvrir. Bon, je peux pas manger. Hein. J'ai pris parce que mes enfants ils vont manger. Je prends des choses que je peux pas manger. Allez. J'espère que j'ai assez de batterie parce que qu'est-ce que je parle et que j'ai pas manché pour avoir de la batterie. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Il y en a 10 à l'intérieur. De petits trucs comme ça. Je veux vous faire montrer. Voilà. C'est ça. Et c'est un peu du tamarin en fait dedans. Et ça ressemble à des petites hosties. Hop. Je laisse ça.
ça fait ça. C'est comme des petites hosties en fait. C'est tout petit. Je vais pas manger parce que là c'est du sucre à gogo. Je vais plutôt laisser ça pour les enfants. Mais je suis trop contente d'en avoir trouvé. C'est moins d'un euro, c'est 89 centimes, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris pour ma collection dans ma petite épicerie derrière moi. J'ai pris des lentilles plats. Lentilles plats, qu'est-ce que je raconte? Des lentilles. Oh mon dieu, c'est pas celle que je voulais. Des lentilles et des haricots roses. Ouais, des haricots coco roses. Ça, celle-là, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris de la boisson pour mon mari. C'est du Vitamalt. Je n'aime pas ça du tout. Du jus de canne à sucre. J'en ai pris 3. Ça, il faut mettre dans le congélateur. Et pour moi, j'adore. C'est du Corosol. Corosol, c'est une plante. Alors, je vais essayer de voir si on voit bien. Hop. Ouh là là, la lumière. Voilà, c'est ce fruit qu'il y a là. Alors moi, je mets du café à l'intérieur, donc du café soluble, hein, que je mets dedans, ou que je... que un peu liquide, hein, je mets dedans, tac, 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 tac. Le fruit est déjà sucré, et c'est trop bon, j'adore ça. C'est vrai que ce matin, je suis partie, j'ai déposé les enfants. Ensuite, je suis directement allée au magasin, et après, je suis revenue. Et vu que le magasin n'est pas à côté, quoi, hein, il est... En plus, je suis tombée dans les embouteillages ce matin, je vous raconte pas, enfin bref. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, donc à écart, donc à 15h15, donc bientôt, je vais devoir aller chercher Kylian et Vemiti qui ont mangé à la cantine aujourd'hui, et heureusement, parce que je pense que j'aurais jamais pu aller les récupérer à l'école pour ce midi. Donc voilà, allez, je vous laisse sur cette petite vidéo, et puis moi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.